collier, bague, bracelet. Au total, ce sont 7 bijoux que Meghan Markle ne quitte qu'à de très rares occasions. Depuis que Meghan Markle a intégré la famille royale britannique, grâce à son mariage avec le prince Harry en mai 2018, la jeune femme brille par son élégance. Outre ses looks qui font rêver la planète entière, ce sont également ses bijoux qui s'arrachent aux quatre coins du monde. Closer a décidé de se pencher sur ces 7 bijoux que la maman du petit Archie ne quitte qu'à de très rares reprises. Depuis la naissance de son fils, Meghan Markle porte un pendentif de la marque Mini Mini, orné des lettres AH pour Archie et Harry, les deux hommes de sa vie. Quand elle ne porte pas ce pendentif, la duchesse de Sussex opte pour un collier offert par la marque australienne Verse. Elle peut également arborer autour du cou un collier mummy de Jennifer Meyer, considéré comme un cadeau de naissance. Enfin, dernier collier de la collection de Meghan Markle, celui sur lequel les lettres H&M sont inscrites, fabriqué par Wright & Gall. Place désormais à ses mains sur lesquelles elle porte deux bagues qu'elle ne quitte pratiquement jamais. Un anneau en forme de hache, pour montrer une nouvelle fois son amour au prince Harry, et une bague sur laquelle il est inscrit le mot « Love ». Enfin, il ne faut pas oublier ce fameux bracelet en perles bleues que les amoureux ont, un temps, porté ensemble. But there's all times through the rough times I think.